L'évangile, c'est pas dire Jésus t'aime. C'est pas la question que la personne se pose. La personne à laquelle tu parles a envie de sortir de la condition dans laquelle elle est. Il y en a qui en ont marre d'être en colère. Il y en a qui ont envie de changer parce qu'ils savent que leur comportement fait du mal autour d'eux. Et ils crient, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Il y en a qui disent, je vais même me suicider. J'arrête pas de faire du mal aux gens. Et puis il y a la voix du rejet qui me dit, oui, c'est ça, tue-toi. Tu dis, mais bon, à rien, personne ne t'aime. Tu fais tout de travers. Tu es nu. Et puis des fois, j'ai juste envie d'aimer ma femme, aimer mes enfants. Mais qui a envie naturellement de pratiquer l'inceste? Qui? Ton enfant qui t'a donné vie. Ils sont une force qui le pousse. Mais quand même, c'est mon enfant. Touche-moi. Mais c'est mon enfant. Alors, esclave, prisonnier de Satan. Et tu viens nous dire, Jésus t'aime. Il est rangé par la culpabilité. Il est rangé par le regret. Ce qu'il veut savoir, c'est pas d'abord si Dieu l'aime. Ce qu'il veut savoir, c'est ce qui peut sortir de là. Parce qu'il y en a qui ont envie de devenir une meilleure personne de leur vivant. Qui ont envie de vivre une meilleure vie. Et toi, tu me dis, Jésus t'aime. Jésus n'a jamais annoncé aux hommes, Dieu vous aime. Non. Il a dit, changez votre manière de penser. Lui, il a dit, le règne de Dieu arrive, tenez bon. Oh, le règne arrive.